Je passe à la partie B. Les plaisirs du monde pour les croyants. Anasa za dunia kwa waamini. La Bible dit, Biblia inasema, les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Kwamba watu watapenda anasa kuliko Mungu. Une question. Ulizo moja. Vous arrivez chez quelqu'un, utafika kwa mtu, vous demandez à sa femme, unauliza mke wake, où est ton époux? Mume wako iko wapi? Dit, anakujibu, il est allé dans ses plaisirs. Alienda mu anasa zake. Il est allé dans ses plaisirs. Alienda muraha zake. Ça va vous faire penser à quoi? Itakufikisha kuwaza nini? Il est allé dans ses plaisirs. Alienda kujifurahisha. Vous allez supposer uta wazia huenda plaisir égale boisson. Kwamba raha yaweza maanisha pombe. Plaisir égale danse. Yaweza onyesha michezo. Plaisir égale femme. Raha yaweza maanisha wanawake. Plaisir égale jeu. Raha inaweza maanisha michezo. Kwa encore. Nini tena? Fumer. Kuvuta tumbaku. S'amuser. Kujifurahisha. Si les croyants kama waamini doivent avoir les mêmes plaisirs que le païen, wanapasha kuwa na anasa zile zile za wapagani, alors où est la sainteté? Sasa utakatifu ni wapi? Aimant les plaisirs plus que Dieu. Eti wakipenda anasa kuliko Mungu. Frère Branham est en train de dire ça. Ndugu Branham iko nasema hivi. Dans la brochure qu'on appelle l'arche. Katika mafundisho yake yaitwayo safina. Christ. Sorry. L'arche un type de Christ. Safina mfano wa Yesu Kristo. 22 Mei 55. Tarehe 22 Mei 1955 mtaji wa 54. On commence à introduire les divertissements pour se distraire. Unaanza ingizwa mambo mengi kwa kujifurahisha. À partir de là, les gens se lancent dans des jeux d'argent. Kuanzia pale watu wanaanza ingilia michezo ya pesa. Des jeux d'argent dans la boisson. Michezo ya pesa katika pombe. Dans la prostitution. Katika ukahaba. On a des foyers et des mariages qui se brisent. Hapo kuna patikana unyumba na ndoa zinazovunjika. On a des divorces et puis des meurtres. Sasa kunaonekana talaka nyingi na mauaji. Et constamment cela ne fait que prendre plus d'ampleur comme une chaîne sans qu'il n'y ait de fin. Na bila shaka vinaenda vikiwa vingi kama vile mkufu usio malizika, usio na mwisho. Donc, les croyants ni kwamba waamini ne doit jamais prendre la boisson. Waamini hawapaswe kama kunywa pombe. Vous allez poser la question. Utauliza. Où se trouve le verset qui interdit? Maandiko yanayokataza kunywa pombe ni wapi? Quand vous prenez 1 Timothée 5:23. Utoa hapo Timoteo ya kwanza 5:13. Là où Paul est en train de dire à Timothée. Kwenye Paulo iko naambia Timoteo. Ne continue pas à boire que de l'eau. Usiendelee kunywa maji peke yake. Ne fais usage d'un pain de vin. Bali unywe vino ndogo. À cause de ton estomac et tes fréquentes indispositions. Kwa sababu ya tumbo lako na maumivu yako. C'est le seul verset que les païens utilisent pour chercher la boisson dans le Nouveau Testament. Ndio andiko moja watu wote wanatumia kwa kujipatia haki ya kunywa pombe mwaga. Paul a dit à Timothée, c'était à cause de son estomac. Hapa Paulo aliambiaka Timoteo hivyo sababu ya tumbo yake. Et il avait des indispositions. Na alikuwa na maumivu. Alors toi quand tu prends la boisson, c'est à cause de l'estomac. Sasa nawe unywapo pombe ni ajili ya tumbo yako? C'est à cause de tes indispositions? Je, ni kwa ajili ya maumivu ya tumbo? La médecine a foncé. Kinganga kiliendelea. Il y a maintenant des médicaments pour l'estomac. Sasa kuna madawa kwa ajili ya tumbo. Il y a des médicaments pour des indispositions physiques. Kuna dawa kwa ajili ya maumivu ya mwili. Alors que ingalau, vous savez bien que munajua wazi kwamba à chaque fois que vous prenez l'alcool, kila wakati mnapokunywa pombe, ça vous déséquilibre. Inaharibu akili. Ça vous conduit à des choses qui ne sont pas bonnes. Inawaongoza kwa matendo yasiyokuwa mema. Même dans l'Ancien Testament. Hata muagano la kale. Lévitique 19 disait, Walawi 10 shairi ya kenda inasema, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante. Amen. Hautakunywa
Mvinyo na kileo cha nguvu. Toi et tes fils avec toi. Wewe na wana wako. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Wakati mtakapo ingia katika hema ya makusanyiko. De peur que vous ne mouriez. Ili kwamba musife. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Itakuwa sheria ya milele kwa vizazi. Donc dans l'Ancien Testament. Kwamba mu agano la kale. Un lévite qui buvait, qui entrait dans l'église, mourait. Mulawi mwenye angeliingia muhekalu na alikunywa pombe angekufa. Et la Bible dit, na Biblia inasema, il a fait de nous rois et sacrificateurs. Kwamba Mungu ule ule ametufanya sisi kuwa wafalme na makuhani. C'est dans Apocalypse 1. Ni katika Ufunuo moja. Et la Bible dit, na Biblia inasema, vous allez trouver plusieurs versets. Utaona maandiko shairi nyingi. Ezekiel 44:21, Ezekiel 44:22, Isaïe 5:11, Isaïe 5:23-19. Mezali makumi mbili na tatu kumi na kenda. Tout ça, ce sont des versets. Hizi zote ni shahiri. Nombre 6:2. Hesabu 6:2. Jérémie 35:5. Yeremia makumi tatu na tano tano. Pitik 19. Walawi kumi kenda. Ainsi de suite. Na kazalika. Même Ephésien dit, ne vous enivrez pas du vin. Hata Paulo kwa Efeso anasema, musilewe kwa mvinyo. Ne soyez remplis du Saint-Esprit. Bali mujazwe na Roho Mtakatifu. Un croyant. Muamini. Même dans Habakkuk 2:15 il dit ceci. Hata mu Habakkuk 2:15 inasema. Malheur à celui qui donne à son voisin du vin. Eti ole kwake yule anayemupa jirani yake pombe. Afin de le voir s'enivrer pour voir sa nudité. Ili amuleweshe afikie kuona utupu wake. Donc quand vous donnez à quelqu'un le vin. Kwamba unapompa mtu pombe. Malheur à vous. Ole kwako. Ça, hiyo, je n'ai même pas trop à expliquer. Sina haja ya kufasilia mengi. Parce que moi, vous savez qu'un croyant ne doit même pas toucher la boisson. Kwanza ninyi wenyewe mnajua kwamba muamini wa kweli hapashwi na kugusa kupombe. Même la Bible Isaïe 5:22 dit. Biblia inasema katika Isaya 5. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Ole wao wanaokuwa na bidii ya kunywa vino. Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Na kuwa na bidii na nguvu ya kuchanga kileo cha nguvu. Ces gens qui prennent le vin. Hao watu wanaotoa vino. Pombe. Et qui mêlent des liqueurs fortes. Na wanaichanga na vileo vya nguvu. La Bible a déjà annoncé le malheur pour eux. Biblia imetangaza laana kwao. Amen. OK. Sawa. Donc, ni kwamba, il y aura trop de choses. Kutakuwa mambo mengi. Proverbe 23:19 dit. Mezali makumi mbili na tatu kumi na kenda inasema. Écoute mon fils. Sikia mwanangu. Verset 19. Et sois sage. Na wewe mwenye hekima. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ongoza moyo wako katika njia sawa. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Usiwe miongoni mwa wakunywa vino. Parmi ceux qui font excès de viande. Mwa wale wanaokula nyama sana. Car l'ivrognerie. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse et s'assoupisse, et l'assoupissement fait porter des haillons. Eti, maana wale wanaojitoa katika ulevi na kupenda kula nyama sana, inawafikisha kuwaingiza katika umaskini. Ne sois pas parmi les gens, usiwe miongoni mwa watu, parmi les buveurs de vin, miongoni mwa wale wanaokunywa pombe, mvinyo. Tous ces versets, je vais vous les donner. Izo shahiri zote nitaziwapa. Et alors? Na sasa. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Indifférence totale, paragraphe 53. Katika mafundisho yake yanayoitwa ukombozi mkamilifu. Nous ne croyons pas à la boisson. Hatuamini katika kunywa pombe. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Mwamini wa kweli alipaswa tikisa kichwa kikamilifu kwenye pombe. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent. Ikiwa hatuamini kucheza michezo ya pesa. Ni au tabac. Au kufuta tumbaku. Les membres de cette église là ne devraient jamais toucher à une telle chose. Vraiment. Eti mwanamemba wa kanisa hili hangelipaswa kamwe kugusa kwa mambo kama yale. Dieu donne une délivrance complète. Amina. Mungu anapanaka ukombozi mkamilifu. Voilà. Hiyo. Ce verset suffirait pour moi. Hiyo mitajo ingetosha kwangu. J'en ai beaucoup. Nina mingi. Mais je ne pourrais pas y aller. Lakini sitaenda kule. Alors, je vais aller. Sasa nitaelekea. Sur la question. Kwenye swali. Que nous appelons. Tunaloita. Le plaisir. Anasa. L'autre plaisir que nous avons.
Ingine anasa inayokuwa la musique mondaine. Nyimbo za kidunia. Ça me choque. Zinaniumizaka moyo. Ça me choque. Inaniumizaka moyo. Quand je vois c'est pour Dieu le matin. Ninapo haleluya. Mchungaji anaeleza kwamba anakuazikaka anapoona mwamini akichezea Mungu kanisani. Il a dansé pour Dieu le matin. Asubuhi alichezea Mungu. Et le soir il part danser à la musique mondaine. Magharibi anaonekana akicheza nyimbo za kidunia. La même chose qu'il a fait. Lile lile jambo alilifanya. Qu'il a fait pour Dieu. Alilifanyizia Mungu. Il parle à faire pour le monde. Anaenda alifanyizia na dunia. Et ça, na hiyo, ça donne le dégoût pour Dieu. Ina letea Mungu hali mbaya. Et c'est une chose qui n'est pas bénie. Ni kitu ambacho hakibarikiwi. Et surtout, na zaidi, quand vous avez des prétendus croyants, wakati una wale wanaojiita waamini, et n'oubliez pas, na msisahau, en Amérique on appelait ça des boogie-woogie. Huko Amerika ni wale waliitwa boogie. La musique. Ile muziki. On l'appelait boogie-woogie. Muziki uliitwa boogie woogie. Vous allez trouver ça dans la foi qui a été transmise on sait une fois pour toutes. Ni katika mafundisho yanayoitwa eti imani iliyopewa watakatifu mara moja. Un croyant ne doit pas avoir de musique mondaine. Muamini wa kweli hapaswi kuwa na nyimbo za kidunia. Jamais. Kamwe. Vous dansez pour Dieu. Ukichezea Mungu. Vous écoutez des musiques de Dieu. Unasikia nyimbo za Mungu. Les musiques des païens, non. Nyimbo za wapagani, apana. Et c'est toujours accompagné par des images mauvaises. Na zinasindikizwaka na picha mbaya. Et d'ailleurs, na kwanza, Frère Branham est en train de dire ceci. Ndugu Branham iko naeleza hivi. Que maintenant les diables commencent à introduire ça dans l'église aujourd'hui. Eti sasa shetani anaanza kuyaingiza na mkanisa leo. Le diable a vu que shetani aliona kwamba les gens n'aiment plus ça. Watu hawazipendi tena. Il commence maintenant à les introduire dans les églises. Anaanza sasa kuzipenyeza mumakanisa. Je vais dire une chose. Nitasema jambo moja. Je vais vous montrer une vidéo. Na nitawaonyesheni video. Et je vais en profiter pour vous donner un avertissement. Na hapo nitaanzia pale kuwapa tahadhari. Je prends la brochure Dieu tient sa parole. Ni katika mafundisho yake Mungu anashika neno lake. 20 janvier 57. Ambayo ilihubiriwa mwezi wa kwanza 1957. Paragraph 22. Mtajo wa 22. Mais lakini il est un instrument entre les mains du diable. Ni chombo ambacho kiko mu mikono ya shetani. Il s'agit de cet homme Elvis Presley. Huyu ni ule mtu aitwaye Elvis Presley. Les gens sont emballés par les boogie-woogie. Watu wamekokotwa wamevutwa na boogie-woogie. Ou le rock and roll. Au rock and roll. Les Américains sont emballés par cela. Wa America wamepelekwa na hiyo. Et ils cherchent par ce même esprit à faire entrer ça dans l'église. Na kwa hiyo wakipelekwa na roho wanatafuta kuingiza kanisani. J'aime la musique de l'église. Napenda nyimbo za kanisani. Quand elle est jouée comme de la musique de l'église. Wakati zinapoimbwa kama nyimbo za kanisani. Et non du rock and roll dans l'église. Bal apana kwa sa kalai bwinge ndombolo ekotite kanisani apana. Mais quand les gens attrapent ces esprits. Lakini sasa watu wanaposhikwa na hizo roho. Il y a quelque chose derrière ça. Kuna kitu nyuma ya ile. Et le diable se prépare et envoie un adversaire. Na shetani naye anajitayarisha na hapo anatuma mpinzani. Et il se trouve que ce pauvre garçon pentecôtiste, donc Elvis Presley, rétrograde a dit que la manière de faire ses saccades et se faire trembler son corps, il a trouvé et a appris ça dans l'église. Aha. Na inaonekana maskini huyu alianguka mpentekotiste alipo alielezea watu kama namna yanachezaka alionyaka mkanisa. Il est membre de premières assemblées de Dieu de Memphis dans le Tennessee. Son pasteur était un ami à moi. Bon. Il est un instrument du diable. Ni mwana memba wa makanisa ya Mungu basi kunapoitwa Memphis katika kanisa kwenye na mimi nilikuwaka. Pasta wake ni rafiki yangu. Uh-huh. Il est
Il est un esprit d'Idia, il est un instrument d'Idia. Yeye ni chombo cha shetani. Pour tromper et polluer la pensée de ses adolescents. Pour kwa ajili ya kudanganya na kuharibisha wazo la vijana. Aujourd'hui les jeunes sont abîmés par la musique. Leo ni wazi vijana wanakokotwa na muziki. Wanaharibishwa. Uh-huh. Quand vous prenez le grand nombre de jeunes, vous les appelez, vous les mettez à côté, ceux qui ont des écouteurs dans les oreilles. Unapowaita uwasikilize wenye kuwa na écouteurs, vyombo vya kutia masikioni. Prenez toutes ces musiques, 90% ce sont des musiques mondaines. Ukisikia même des frères ici. Ukichunguza, ukiweka hizo écouteurs kwenye sikio lako, utakuwa kutana. Makumi nane asilimia zitakuwa nyimbo za kidunia. Pas de musique chrétienne. Hazitakuwa nyimbo za kanisani. Maintenant on dit, sasa inasemeka, on a commencé à introduire ça dans des églises. Vikaanza ingizwa mu makanisa. Donc aujourd'hui, kwamba leo, les églises ont changé leur façon de jouer la musique religieuse. Makanisa yamebadilisha namna ya kucheza nyimbo zao za kanisani. Les solos des musiciens mondains. Iyo namna ya muziki ya kidunia est entré dans les églises. Imeingia kanisani. Les joueurs de guitare, hata wanaopiga nzenze, ont changé leur façon. Wamebadili namna ya kupiga. Que ça soit comme si on est maintenant dans un ganda. Kiwango isikilike kama vile wako katika kilabu. Je vais vous projeter. Nitawaonyesha un petit film. Filamu ndogo. Ou même les gens qui aiment la musique mondaine. Ambapo kwenye hata wale wanaopenda muziki ya kidunia. Quand ils entrent dans des églises. Wanapoingia makanisani. Danse comme dalinganda. Wanacheza sawa vile wanavyocheza huko munganda. Dans des buvettes. Katika bilabo. Et des fois ils vous disent. Na mara wanakuambia. Nous dansons pour Dieu. Tunachezea Mungu. Mais quand tu vois la façon. Lakini uchunguzapo namna ya kucheza yao. Si ça non. Utasema hapana. Je vais vous projeter une vidéo. Nitawaonyesheni video moja. Ils dansent dans l'église. Kwenye wako wanacheza kanisani. Vous allez me dire. Kisha mtanambia. Si c'est. Kama ni kanisa. Ou si c'est quoi. Au kama ni nini. Ça c'est l'église. Hapa ni mukanisa. C'est dans l'église. Hapa ni mukanisa. Regardez les autres comment ils sont, mais mwangalie wengine namna gisi wapo. Ciblez cette femme là. Lakini mwangalie huyu mwanamke. C'est dans l'église. Hapa ni mukanisa. Mm-hmm. Munaona? Voyez les autres membres à côté. Munaona wengine pembeni. Comment ils dansent? Namna wanavyocheza. Mais ça c'est une chrétienne. Huyu ni mukristo. Nous devons faire tout. Tu n'as pas sa fanye pour que l'église de Dieu soit vraiment arrangée. Ili kwamba kanisa la Mungu liwe sawa. De sorte que kiwango celui qui adore avec nous mwenye na abudu na sisi comprenne que aelewe kwamba l'église de Dieu ni kanisa la Mungu. On danse pour Dieu. Kwamba watu wanachezea Mungu. Qu'un païen ne sorte encore dans l'église et a pris les démons. La chanteur est kusiwe mtu atatoka hapa na amepata mapepo mu michezo ya mkanisa. Mes sœurs, dada zangu, mes frères, ndugu zangu, surtout les femmes, zaidi wanawake, quand vous dansez pour Dieu, munapochezea Mungu, faites attention. Fanyeni hange. Faites attention. Fanyeni angalisha. Il y a même les gens qui nous ont posé la question. Kuna hata watu walituuliza. Pourquoi chez vous les hommes sont à leur niveau et les femmes à leur niveau? Kwa nini huku le kwenu wanaume wanakuwa ngambo yao na wanawake? Vous voulez que nous mélangeons les hommes derrière les femmes? Mbona sie tunachangaka wanaume na wanawake? Tu n'es pas fort, tu te tiens derrière cette femme, tu vas quitter, ya sali ta pensée.
Ukikala nyuma ya mwanamke sawa ule utatoka na umechafuka. Mais si c'est une femme qui est derrière elle, kama ni mwanamke aliye nyuma yake, bon, elle sortira sans avoir sali sa pensée, mais mettez un garçon derrière. Atarudia na kuchafuka mwakili, lakini weka kiana nyuma ule mwanamke. C'est pourquoi nous on a dit. Ndio maana si tulisema. Les hommes avec les hommes assis de leur côté. Waume wakae na waume wenzao. Les femmes de leur côté. Wana wanawake ngambo yao. Comme ça elles se tiennent les unes derrière les autres. Hivi waikale wanawake nyuma ya wenzao. Et les hommes de leur façon. Na wanaume kwa namna yao. Je vous montre une autre vidéo. Nitawaonyesheni video nyingine. D'un païen. Ya mpagani. Qui entre dans l'église. Aliyeingia kanisani. Mais sa femme. Lakini mkewe. Découvre que le messie ne sait pas s'adapter. Akaelewa kwamba mume wake hakuwa kumstari. Donc on entre dans l'adoration. Wanaingia muibada. Mais. Lakini. L'homme. Mume yeye. Il est habitué à danser la musique mondaine. Alizoea kucheza nyimbo za kidunia. Mais il entre dans l'église. Sasa alipoingia mkanisa. Le naturel va le suivre. Ya kidunia itamfuata. Et maintenant sa femme qui est derrière. Sasa bibi yake aliyekuwa nyuma yake. Va le toucher pour lui tirer pale. Laissez comme ça, ne faites pas comme ça. Akamgusa akimwambie achia pale. Uh-huh. Vous constatez? Mumeona kitu? On reprend. Tunarudilie. Branham n'a pas menti. Branham hakudanganya. Ça commence à s'introduire dans l'église. Kwamba vinaanza ingia mkanisa. L'homme commence. Mwanaume anaanza. Mais il ne sait pas se réserver. Lakini anashindwa kujizuiza. Il reprend. Anarudilia tena. Il reprend. Anarudilia tena. Hey. Yo. Yo. Alors, Sasa. Ne venez pas terminer la soif de danser dans l'église comme des païens. Musikuye malizia kiu yenu mukanisa kucheza sawa pagani. Nous devons assainir. Tu n'as pas choix, s'affiche. L'église de Dieu, c'est un lien saint. Kanisa la Mungu ni pahali patakatifu. Mais ne va pas résister. Hataweza jizuiza. Il va reprendre. Ataanza tu. L'autre de derrière va dire, laissez ça. Ule wa nyuma yake bibi yake asema, haiko vile. Il reprend. Anaanza tena. C'est difficile de maîtriser un habitué de boîte de nuit à l'église. Ni vigumu. C'est qu'on a écrit, c'est pas moi. Si mimi niliandika eti ni vigumu vitu ulizoea mukidunia kuviacha unapofika kanisa. Mtu mwenye alizoea kuingia mumanganda viko vigumu kumwambia acheze mkanisa mzuri. Yo. Il essaie mais ça ne tient pas. Anajikaza lakini wapi hawezi. Alors, disons ceci. Sasa tuseme hivi. Mes chers frères, ndugu zangu wapendwa. Apprenons que l'église de Dieu, tujue kwamba kanisa la Mungu, c'est un lien saint. Ni pahali patakatifu. Là où les gens dansent pour Dieu, kwenye watu wanachezea Mungu, avec sainteté et pureté. Na utakatifu na usafi. Nous donnons l'avertissement. Heureusement, ça n'a pas encore commencé dans notre église ici. Heri ni kwamba haviakuwa kanisani humu. Nos musiciens, wa piga muziki wetu, n'allez pas nous chercher les solos qui sont dehors. Musiende kutupigia muziki kwa hali ya juu. Musiende kutuletea masolo za kule inje. Ndio. Ne nous amenez pas les solos mondains. Musituletee mipigio ya kidunia. Croyant que vous allez nous agrémenter. Mukiwaza kwamba mnapenda mtukolezee. Non. Hapana. Amenez-nous la vraie sonorisation chrétienne. Mutuletee mlio mzuri wa kinanda ya Kikristo. Une sonorisation qui loue réellement Dieu. Mlio wa vyombo unaotukuza Mungu kweli. Hapana ile mlio ya muziki. Soif des païens. Ambayo inakuya kutuliza kiu ya wapagani.